Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Oh yeah. Donc pour une nouvelle analyse, commentaire, réaction, fanart. Et là on est un peu embêtés, mais on voulait le faire depuis longtemps. C'est en fait c'est une compile. Oui. De plein d'animaux Disney en humains, voilà. Ou de humains Disney en animaux. En animaux, et normalement c'est le dernier. Hein, de... Normalement c'est le dernier qu'on va faire, voilà. Comme ça, parce que le problème c'est que c'est beaucoup de c'est beaucoup d'auteurs différents. Voilà, et on n'a pas forcément tous les noms déjà. Voilà, et c'est ça qui est. C'est vraiment embêtant pour nous. Mais normalement c'est la dernière fois qu'on fait ça, parce que maintenant on veut vraiment à chaque fois dire. Dire le nom de l'auteur, quoi. Tout simplement. Allons-y! C'est Bugs Bunny. Bon, c'est pas un Disney. Non. Mais et moi j'étais là, qui c'est? J'avais pas reconnu. J'ai bien reconnu Bugs Bunny, hein. La carotte, les oreilles, même ouais. Sur le plaid là, il y a Bugs Bunny. Et du coup là, attends, je vais essayer de trouver le nom du créateur. Sakuni-chan sur Facebook. Ça voilà. Fait très chinois. Si vous voulez aller voir. Sakuni-chan. C'est pas un Disney. Il mais... a un air pervers. Mais j'adore, regarde-moi tous ces détails. Ouais, ouais. Les oreilles, le jus de carotte avec ouais. La carotte, le petit plaid, là, les coussins carottes, et ouais. Il a une chaîne autour de la taille avec des carottes. Ouais. J'adore. Je pourrais avoir la même tenue, je la prendrais. La coiffure est belle aussi. Ouais, sympa. C'est sa copine. C'est toujours Sakimi-chan, ouais. Qui a fait Lola Bunny. D'ailleurs, je comprends c'est pas. C'est Lola pourquoi... qu'elle s'appelle. Bah, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait sur le ballon. Ça me fait peur. Vous avez un peu. Le ballon, il est. Peut-être parce le qu'il avait... ballon est possédé. Peut-être parce qu'il avait peur que des gens ne la reconnaissent pas. Mais moi, je l'aurais reconnu par rapport à Space Jam. Oui, bah voilà, oui. La coiffure, elle a les mèches roses. Ouais, elle a les oreilles comme ça. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre que la lapine ait les oreilles attachées comme ça. Ça m'a toujours fait bizarre. Bah, alors qu'elle a vraiment des cheveux. De cheval, quoi. J'adore, moi aussi. Ah. Oh, c'est les Animaniacs. Nous passons à... l'heure des Animaniacs. Pour l'instant, je suis content, il y a le nom de tout le monde. Oui, alors d'autres. Ed Tweed. Il me fait moins peur comme ça. Moi, oui. Il me faisait peur quand j'étais petit, moi. Je te jure, il me faisait trop peur. C'est vrai? Ah ouais, moi j'aimais pas. Bien. Non, j'aimais bien, mais je sais pas, je l'ai trouvé trop fou, trop déjanté, j'avais peur. Oh! Bah là pour nous, c'est des robots en humains. Oui, j'aime bien. Wally qui fait des. Bah là par contre on n'a pas l'auteur. Ah non, là on l'a pas dit. Ah si, peut-être par Jinka. 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 Pour l'instant je suis contente. J'aime bien Eve. Ouais. Parce que du coup ça pourrait vraiment faire un truc très futuriste et tout, ça choquerait pas. Si tu regardes. Ah bah ouais, non, pas du tout. C'est magnifique. J'aime beaucoup, ouais. J'adore. Celui-là. On le ferait. Tu sais que ça pourrait me faire penser à un film des studios Ghibli. Ouais. C'est vrai. Et t'as vu les lunettes de Wally? Ouais. Ah, c'est excellent, j'avais pas fait gaffe. Excellent. Et t'as vu, il y a le cafard sur son balai. Ah oui, il est trop chou. Oh! Oh, Monstre et Compagnie, c'est excellent. Par contre, ils font peur, un petit peu. C'est par Wagashima. Ouais. Pour l'instant, on a du bol, on les a tous. Je le répète à chaque fois parce que c'est le truc que j'ai testé. J'aime bien parce qu'ils ont fait Bob, du coup, avec une grosse mèche. Pour faire qu'un œil, ouais. Et du coup, ils ont bien fait le côté bien rond, ils ont rajouté la capuche pour que ça fasse... Par contre, celui-là, il est méchant. Enfin, méchant, il a un air vicieux. Avec ses cornes, on dirait un petit diablotin. Ouais, mais c'est très... Bah, c'est bien imagé. Oh, c'est des Muppets. Putain, j'aurais pas reconnu. Ah bah si, Peggy. Peggy. Peggy la grenouille. Peggy la cochonne. Non, Peggy la grenouille. La cochonne. Peggy la cochonne. Peggy la grenouille. Voilà. C'est Fozzo. Oui. Et lui, c'est Gonzo, je crois. Tu sais plus. Je suis avec le grenouille. Comment dis-donc. Et là, par contre. Fanactu.com. Voilà, mon fanactu. Allez sur fanactu.com. Voilà. Vous allez sûrement pouvoir retrouver. Oui, je pense, sinon, on n'a pas d'autre nom. Non. C'est sympa. Mes grosses mains. Ouais, c'est ça. Par contre. Peggy ça passe, mais alors Kermit ça me perturbe un peu. Bah il fait un peu vieux. Tu me diras Gonzo. Bah. Tu dirais Wade Funès. Ah oui. Mais j'aime bien, ça change. Ouais. Oula, Pixar. Ouh, il y en a beaucoup là. Alors on commence par moi à gauche. Toy Story. Ouais, bon, c'est des humains. Bah hein. Voilà. Wally. Bah on les a. Ah, ça reste, ça doit être le même créateur. Non, là c'est par Matto. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Là on a.
Je ne reconnais pas. Ah, c'est... C'est Couette. Et Phil de... Couette. Mille et une pattes. Ah ouais. Oui. Putain, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. C'est bien Phil, hein, son nom. Je sais plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu celui-là. Moi aussi, il faudrait trop que je revoie. J'adore cette ambiance. Après, on a encore une fois Monstres et Compagnie en bas. Ouais. Oh, le monde de Nemo, regarde. Ah oui. Marin et Dory. Ah, j'adore. Avec le masque. Et Cars. Cars, et celui du milieu, c'est qui? C'est le... La lampe. Oui, c'est la lampe de Pixar. C'est classe. J'aime bien. Il est beau, lui. Hein. Ouais. J'adore. Oh. Est-ce qu'on l'avait déjà vu, lui? Il me parle. Ou alors un équivalent. Et c'est pas ma préférée. Tu sais, on avait une de Ladies qui était magnifique. C'était juste des coups de crayon. Oui. Elle était magnifique. Et très jolie aussi, pour le coup. Hein. Bah là, on a bien l'expression de chacun, en fait. Mais c'est pas mon préféré. Oui, c'est vrai. Exactement, au niveau des expressions. Par contre, c'est pas mon préféré de qu'on a vu deux. Mmh. Qu'on a vu, aller voir dans l'affiche. De La Belle et le Clochard. Aller voir dans l'affiche pour voir nos deux précédents épisodes. Oh. Mais on l'a pas vu, celui-là aussi. Non. Je sais pas. En tout cas, j'adore. Il est chouette. Duchesse. C'est nickel. O'Malley, pareil, j'aime bien. Tu fais un peu pêcheur. Thomas O'Malley. Thomas. J'aime beaucoup celui-là. Du coup, on est obligé de représenter Duchesse avec les cheveux blancs. Et celui-là, on n'a pas le nom. Ah oui, mince. Non. 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 Humanized. Attends, le précédent, on avait dit ou pas? Non, bah ça doit être la même, je pense. Ça fait la même. Ah ouais. Alors, je suppose que c'est Simba et Nala. Oui. On en avait déjà vu deux et on en avait vu un super beau, c'était dans notre tout premier épisode, toujours disponible dans l'affiche en haut à droite de la vidéo si vous voulez aller les voir aussi. Et ouais, bah on en avait déjà vu. On l'avait sûrement déjà vu, lui. Ça, ouais, mais j'accroche moins. Oh, c'est Timon et Pumba, tu penses? Ah non, c'est Balou et Bagheera. Bagheera. J'aime bien. C'est classe. Mais du coup, c'est vrai que le Balou, il a presque le nez d'ours encore. Hein. Ouais. Oh, oh. Mais pourquoi m'en faire? Dis-moi. Là, je connais. Oliver, il est trop chou. Alors ça, c'est trop... Oui. Alors celui-là, il est étonnant. Tiens. Je l'aime bien. Ouais. On reconnaît vraiment bien les personnages. Ouais. J'adore Oliver. Oui, il est trop. Toc. Tokina, ou lui, j'ai oublié son nom. C'est Tantor. Lui, c'est l'éléphant. Ouais. J'adore, on dirait vraiment Muriel Robin. C'est clair. C'est clair. Très joli. Et l'autre, non, mais il a une tête de bonnet. Ouais, du coup, tu vois, on m'aurait montré Toc toute seule. J'aurais adoré lui, je suis pas. On reconnaît bien l'expression. Oh, oui. Mais je sais pas, ça me paraît. Je le trouve moins. Inspirant. Inspiré. Magnifique quand même. Oh, du coup, bah pareil, on a toujours pas de nom, hein, mais je crois que c'est les mêmes personnes. Oh, Froufrou. C'est tous les chevaux, non? Oui. Mais oui, regarde, il y a le cheval de Philippe. Oui. Pégase. Froufrou. Et le cheval qui de Mulan. En couple, qui est en couple. Ah. Et c'est une bonne idée d'avoir fait ça. J'adore. Bah, par contre, Pégase, il a un air. Ouais, un peu, Pégase, ils auraient dû. Froufrou, ils ont gardé leur tête froufrou, un peu cheval. Il est trop chou. Mais Froufrou, attends, c'est censé... Oui, c'est censé être une fille, mais c'est la voix qui nous est bizarre, je me rappelle. Donc oui, c'est normal. Très sympa. Mmh. J'adore. Ah bah voilà, là, c'est fini. C'était un plus court que deux précédents épisodes sur les animaux humanisés. Alors toi, ton préféré? Oui, j'aime bien le... Voilà, celui de tous les Pixar. Ouais. Et j'ai bien aimé... Attends. Vas-y, passe. Ah ouais. O'Malley et Duchesse. Et cool, j'aime bien sûr. Donc dites-nous votre préféré dans les commentaires. Et tiens, celui que vous aimeriez que les Disney refassent en version humain. Ouais, ce serait drôle ceux-là. Ça. Lequel vous a le plus inspiré un film? Moi, j'aimerais bien voir les Aristochats. Bah, ça, mec. Moi, je trouve ça. Et donc, voilà, le dessin me rappelle vraiment l'ambiance du dessin humain. Ouais, on dirait que ça se passe à leur rencontre pratiquement. Ouais. Et ben voilà, on se retrouve très bientôt. Salut.